déjà commencé. J'ai déjà commencé. T'as déjà commencé. Selon toi, quel est le meilleur artiste musicien camerounais? Ténor. Loco. Mr. Léo. Allez péter le champagne. Allez péter le. Kenyangono. Qui est le meilleur artiste musicien camerounais? C'est simple, tu me laisses ton avis à la description de la vidéo. Une dédicace spéciale aux deux premiers commentaires de la vidéo précédente. Alors pour ceux qui nous découvrent, c'est simple, abonnez-vous à la chaîne. Et s'il vous plaît, pour nous soutenir, laissez-nous un pouce bleu. Merci, c'est parti. Qui est le meilleur artiste musicien camerounais? Je commence par toi. Moi je dirais Loco. Danse avec moi. Loco? Pourquoi Loco? Parce qu'il a une belle voix et son style me plaît bien. Tu peux nous chanter une musique de Loco là que tu aimes bien? Je n'ai pas le lyrique en tête. Quoi. Donc tu n'as pas la vibe, les petits. C'est ça, c'est ça. Oui. Ok, Loco pour toi. Oui. Ok, bon, toi. Selon toi, quel est le meilleur artiste musicien camerounais? Ténor. Ténor? Ouais. Pourquoi ténor? Parce que c'est un gars qui il dégage une énergie. Bon, en fait, quand il chante, c'est lui, pour lui l'inspiration est spontanée. Spontanée. Oui, c'est un gars qui il donne envie d'écouter de la musique en fait. Ok, tu peux nous faire un petit acapella de ténor là, vite fait, bien fait. Bon, si je prends juste le refrain de péter le plomb, c'est genre allez péter les plombs, allez péter les plombs, allez péter le champagne, allez péter le champagne, allez péter les, allez péter les. Ok, merci, merci. Et pour toi, qui est le meilleur artiste musicien camerounais? Mon meilleur artiste, non, c'est Nyangono. Hey. Il a dit Nyangono. Gaga, tu vas me dire pourquoi tu penses que c'est Nyangono? Mais en vrai, non, gars. Nyangono, c'est un gars qui a l'inspiration, donc il ne cherche pas trop pour chanter. Mais en vrai, je te jure, gars, un gars qui met ses pieds dans l'eau glacée pour chanter. J'espère que tu as capté ça. Waouh, et tu peux nous faire un acapella de Nyangono là pour qu'on voit un peu. Parce que les gars, ils veulent comprendre. Tu sais, il y a les Ivoiriens, il y a les Sénégalais, il y a les Français qui nous regardent là. Ils veulent comprendre un petit truc de Nyangono là parce que tu savais tellement d'éloquence. Un petit mot de Nyangono. Bon, il veut prendre sa chanson populaire. Quand tu prends. Va commencer. Oui, déjà commencé. T'as déjà commencé. T'as déjà commencé. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Ok, merci, merci les gars, merci, merci bro, merci. Alors pour toi, qui est le meilleur artiste musicien camerounais? Bon, pour moi le meilleur artiste camerounais c'est Ténor, comme mon camarade dit. Ténor, ils disent tous Ténor là, pourquoi Ténor? Bon, moi je dis Ténor parce que lui au moins, comme je suis un gars qui aime d'abord le show, lorsqu'on balance son son, je me sens un peu dégagé en fait, je veux toujours me dégager. Bon. Voilà pourquoi j'aime son son. Alors pour toi, qui est le meilleur artiste musicien camerounais? Pour moi, le meilleur artiste musicien camerounais, c'est Grand Baraque. Grand Baraque? Oh! Pourquoi Grand Baraque? Parce que Grand Baraque sort de nulle part comme ça et du jour au lendemain, c'est une seule petite chanson, ça explose, boum. Wow! Est-ce que tu peux nous faire un petit acapella là? Il y a les Français, il y a les Congolais, il y a les Gabonais, il y a les Ivoiriens, il y a les tout là. Qui veut voir, il veut l'écouter quoi. Ouais, la chanson de Grand Baraque, enfin, ça presque c'est la chanson, c'est... Écoutez ça, je peux... Écoutez ça, vas-y, fais-nous un petit truc. Je prends... Ouais, comme tu veux. Chalot du Banda, j'ai déjà goûté ça. Fleur de Lille, je veux goûter ça, goûter ça. J'ai déjà goûté ça. Ok, merci, on a bien compris. Quel est le meilleur artiste musicien camerounais? Je vais dire Mr. Léo. Oh, les femmes et Mr. Léo, là, il faut nous dire pourquoi. Ah, en fait, il parle de la vérité des femmes et tout. La vérité des femmes. Tu as un petit truc sur lui que tu connais, un petit son là, rapide, bien fait là, que tu peux démontrer aux gens? Bref, j'aime tout. Je ne suis pas trop fan pour chanter, j'aime justement suivre. Selon toi, qui est le meilleur artiste musicien camerounais? Je dirais Loco. 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 Pourquoi Loco? Parce qu'il est doux dans ses paroles. C'est simple, hein? Selon vous, qui est le meilleur artiste musicien camerounais? Je commence par toi.
Qui est le meilleur artiste et musicien camerounais d'après toi? Personnellement, déjà, moi, je n'ai pas de préférence qui concerne les musiciens parce qu'ils ont tous le même niveau que moi, mais je pense que Charlotte Dipanda, sa voix et tout là, ça te plaît? Ouais, très bien. Pourquoi? Eh bien, disons que par sa voix, en fait, elle touche vraiment les gens, en fait. Donc, il y a plus que de la simple musique dans sa voix. Donc, ouais. Alors, est-ce que tu peux nous faire un petit truc, là, un petit acapella de Charlotte Dipanda? Ok. Longuel était mort. Oh, Nadjib. Wow. Dolo, menet, inéma. Oh là 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 là. So, voilà, au poisson. Neta bon, la pia. Les musiciens, là, moi, c'est un artiste. Faut venir la chercher. Selon toi, qui est le meilleur artiste musicien camerounais? Bon, je n'ai vraiment pas de préférence vu que je ne suis pas trop fan de la musique camerounaise déjà. Ah bon? Ouais. Pas de préférence, mais il y a quelqu'un là forcément que tu aimes bien son style, non? Bon, bref, j'aime bien le style de... Tout le monde? Non, pas vraiment. J'aime bien le style des gars qui chantent avec... Salatiel. Voilà. Je sais pas pourquoi je savais que c'était ça en fait. Ouais, j'aime bien ce style-là. Tu peux donner un nom des gens qui chantent avec lui? Loco. Mimi. Mimi, oh. J'espère que les gens les connaissent. Ce sont les noms forts là-bas qu'elle a décidé là. Est-ce que tu peux faire un petit acapella d'une de ces personnes que tu connais en tête? Un petit acapella de Salatiel lui-même. Oh, ok. C'est encore plus cool quoi. Vas-y. Mais pourquoi la vie est-elle si compliquée? Oh, j'ai tellement aimé, vraiment, je n'ai pas tué quelqu'un. Ok, waouh, magnifique, merci beaucoup. Hein. Et toi, d'après toi, qui est le meilleur artiste musicien camerounais? La musique que je suis, plus la musique gospel en fait. Musique gospel, c'est encore plus intéressant, il faut nous dire. Selon toi, alors, qui est le meilleur artiste de ce côté-là au Cameroun? Précision. Au Cameroun. Ouais. Bon, c'est vrai que les Camerounais, depuis que le groupe Gaël, en fait, je ne sais pas si vous connaissez le groupe Gaël, c'est éteint. Maintenant, les Camerounais n'ont plus sorti grand-chose. Donc, il y a quelque chose qui te blasse. Du coup, il n'y a que la musique congolaise, en fait. Oh, la musique, comme un frère du Congo, là, ils connaissent déjà. Les Game Pro, c'est pour toi cette personne-là. Elle aime la musique congolaise. Tu peux nous faire un petit truc là que tu connais sur la musique congolaise? Ok, la chanson de Dena Moana. De qui? Dena Moana. Dena Moana. Ok, un petit truc. Ça ne vient pas. Ça ne vient pas. Cherche. On a tout notre temps, hein. Si tu trouves ça, c'est bien. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. Oh. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Il a pris ma place. 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 Okay, merci. Je sais pas le thème vocal là, c'est la magie. Hein, les gars, vous avez vos artistes. J'espère que vous avez vu, vous avez vos artistes. Alors c'est très simple là. Il faut nous contacter, hein, si vous voulez entrer en contact avec ces artistes. Alors merci beaucoup. Ténor, Loco, aussi quoi que ce soit, bon, ça dépend de vous. Alors c'est simple, si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à la chaîne. Si tu n'y découvres, laisse-le un pouce bleu. Allez, c'était tout.